monde, c'est Polis de Médéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation d'un serveur qui s'appelle MineWest. Donc, qu'est-ce que MineWest? MineWest, c'est un serveur RP à la West End. Oui, bon, j'ai tenté un truc de merde. Donc, MineWest, j'ai des petits bugs, mais bon, c'est pas grave, on va rester, voilà. Donc, MineWest, c'est un serveur roleplay au Far West. En gros, j'ai connu le DayZ, le roleplay Altis. Et plein d'autres. J'ai connu tout. Le school RP. Le prison RP, donc dans la peau d'un prisonnier. Et ou d'un garde. Et là, on va passer notre vie au Far West. Dans la peau d'un Far West. Enfin, ça se dit. Donc dès que vous arriverez sur le serveur, donc ça accepte que les premiums, c'est un installateur. Vous allez arriver à ce spawn. Donc voilà, à ce spawn. Il vous suffira de monter. Ici, donc il y a une boutique pour ceux qui sont intéressés, enfin c'est des tokens de l'argent in-game, donc c'est très dur de faire du fric. Et moi je suis pauvre alors ça fait longtemps que donc voilà, donc ici on peut pas y toucher encore. Spawner sans perdre votre grade. Donc après on a les indiens, donc garde indien, donc pour faire la justice et. Choisissez entre l'égalité et l'illégalité des Amérindiens. Donc on a ça, c'est pour être indien. Donc après ici on a le côté citoyen. Donc faites la justice donc, en tant que cavalier. Et le citoyen normal, donc l'égalité et l'illégalité. Donc voilà, on va spawn. Ici on peut faire des patates, il vous suffit de passer dans le champ comme ça et bon moi je vais s'appuyer sur Kill pour KO et de passer. Donc le créateur du serveur c'est Richman avec Pacito et Zaclub TV que je pense que vous connaissez si vous faites du roleplay. Donc vous êtes censé connaître et là je sens que vous allez m'entendre mieux parce que mon micro était éloigné et oui. Donc là c'est pour les chevals, donc hein, tant qu'à faire, moi je m'en fous mais bon. Ici le medikit, donc qui vaut assez cher pour moi. Donc là c'est facile pour avoir sage, il va vous falloir. Bon là hein, on vend aide, mais bon ça sert à. Ah oui c'est un truc d'image, d'accord. Donc on vend aide, bon ça sert à rien. Office de banque, donc le convertisseur qui peut vous. Tu peux retirer 5 euros de ta banque et remettre 5 euros dans ta banque. Là, c'est pour améliorer agrandir ton storage. Donc là, c'est le stockage. Pour y rentrer, il va falloir une clé qui s'achète quelque part. Donc ça, c'est la banque, on peut la braquer. Le général au gradé qui échange les tokens face à l'argent, comme on l'a dit. Bon, ici, on n'est pas tombé. Je pense qu'on peut pas tomber. Donc ici on a le commerçant, donc on peut acheter une pierre ou une planche de chêne, donc moi je vais acheter la planche de chêne. Et une fois que vous l'avez acheté, c'est totalement gratuit pour vous faire une petite arme pour vous défendre, donc la dague en bois plutôt. Et c'est la même chose avec la pierre, donc tout simplement. Donc voilà, donc hein, je vous présente le serveur normalement comme voilà, centre de commerce. Donc ici on a le centre de commerce, bon, une jeune femme assez sexy. Qui vous voit chapeau, torse, pantalon et bottes. Voilà, pantalon, torse et chapeau. Donc c'est tout con. Donc là c'est plus haut, c'est plus meilleur. C'est un peu métal on va dire. Et là c'est cuir. Donc voilà, donc alors. Hop, j'augmente la qualité. Enfin la qualité là pour voilà pour pas que ce soit sombre. Donc ici on... dommage que les portes sont pas allumées. Donc on rentre, donc le bar, le PUEB Armor, donc qui s'appelle avec des Water Element, mais je sais pas comment on en a, du steak et du Ambicon Pegasus. Donc c'est un peu des trucs un peu shit, je crois. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Salut, je suis un prisonnier, j'ai une astuce pour braquer la banque, hein, te fous, voilà. Vous lirez pas vous-même, vous mettrez sur pause. Donc, le commerçant, on l'a déjà vu, on peut acheter des maisons.
Les petites maisons, donc la maison à vendre 3000 euros, donc après ils vous donneront le mot de passe, enfin vous ferez votre mot de passe, etc. Donc les maisons à vendre, je crois qu'il y a un deuxième étage pour une deuxième maison à étage, à moins que c'est déjà réservé. Aïe, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, notre petit truc. Donc moi je bouffe les patates, hein, parce que j'en ai rien à foutre. Donc là, ici vous passez, vous récupérez des grappes de raisins, donc que vous pourrez revendre au même endroit pour les patates. Donc vous baladez tout simplement. Alors, il y a plein de trucs à faire les amis, hein, comme pour les Indiens, comme pour les citoyens et comme pour les cavaliers. Donc là, je pense qu'on peut prendre le cheval, mais bon, voilà. Donc ici, on a le même commerçant qui vend pour les chevaux. Donc on va refaire un petit passage, si, ouais, voilà, ça marche. Donc tout marche bien, donc hein, le truc du NPC. Bon, bienvenue à toi. Voilà, là, là. Voilà, hop. Voilà, donc bienvenue à nouveau. Rien d'anormal. À nouveau tout simplement, donc qui vient d'arriver, bienvenue à lui, bienvenue à lui. Donc le commerçant, on le connaît. On récupère. Donc ici nous avons des tombes. On peut pas savoir à quoi ça sert, j'en ai rien à foutre. L'église, donc la bonne vieille église. Bon, j'ai du grappe. Grappe, c'est stylé quand tu dis ça comme ça, du grappe. Donc vous pouvez suivre la route, mais je préfère y aller par transport. Donc voyage, vous allez au camp du Vergie, de la Virgie comme vous voulez. Cavalier, bon choix mon ami. Donc là il y a un mec, hein. Donc ici nous avons un acheteur, donc qui achète le raisin justement. Donc voilà le petit raisin et les pommes de terre. Donc faut être harpé, hein, le fric il n'existe pas, je vous rappelle. Donc le commerçant, donc voilà, comme d'habitude. Et ici vous aurez de quoi vous défendre. Donc d'acheter une matrioche chez Besson, donc un flingue. Et pour 50 euros c'est 4 chargeurs. Donc voilà. À quoi ça sert les golden coins? De l'argent. Voilà, hop. Donc les golden coins, voilà, c'est des pièces qu'on avait vues. Donc il faut jouer avec le pack de textures, oui. Donc vous allez dans dans là et vous mettez le pack de textures. Commerçant shérif, j'ai pas accès. Barman, il nous vend du vin, de la vodka, du rhum et du steak. Le bon steak, sa mère. C'est de la bonne. Merci, Jackie. Combien j'ai d'argent, s'il vous plaît? Voilà, donc ici on a un autre commerçant, donc comme d'habitude, hein, avec les tokens face à l'argent. Donc voilà. Donc on va regarder un peu tout le monde. Donc compte bancaire, ici vous pouvez stocker. Donc voilà, ce que c'est les gold. Convertisseur, donc c'est ça, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc bon, on aura tout fait dans ce mini village. Commerçant là-bas. Non, je sais pas ce qu'il fout, c'est un PNJ. C'est où pour la terre cuite? J'espère. Je vois pas de quoi il parle. Donc les lingots d'or x4. Achat. Ouvre le stockage de la banque. Donc voilà, c'est ça la clé. Maintenant vous savez qu'il faut des lingots d'or. Et la mine d'or se situe... Est-ce qu'on peut la voir d'ici? Là-bas, je sais pas ce que c'est. La mine d'or, on peut pas la voir d'ici. Tant pis. Donc ici, c'est là où vont spawn les cavaliers. C'est un peu la... Le truc des cavaliers, quoi, tout simplement. Donc... pour y rentrer, il suffit de marcher sur les plaques de pression.
Voilà, donc pour les cavaliers, vous ouvrira d'ouvrir le commerçant, d'acheter une pioche et de faire ça, de la terre cuite. Donc je vais le faire pour vous. Et oui, faire pour vous. Donc si vous voulez, si vous avez du temps devant vous pour farmer, hop, faites de la terre cuite. L'employé, voilà, récolter la terre, il vous dit. Voilà, ici, vous pouvez traiter la terre cuite. Donc, je crois pas que j'ai le droit, mais c'est juste pour vous montrer. Là, c'est les cellules. Voilà. Et une fois que vous avez votre terre cuite, une terre cuite vaudra un dollar. Donc, voilà. Hop, vous allez ici. Hop, voilà. Donc, ça, c'est pour les cavaliers. Donc les cavaliers et bien sûr les autres normalement vous n'avez pas droit. Voilà, donc là j'ai pas droit mais au moins vous avez des un fusil en vente pour vous, etc, etc. Donc ça c'est pour les cavaliers, des medkits ou de la bouffe pour les cavaliers du coup. Voilà, donc voilà, donc, ah voilà, on l'aperçoit d'ici là bas c'est la mine d'or. Si on suit un peu le chemin, on va trouver sur les, on va tomber sur les trucs indiens. Donc, hop, bienvenue à Gens. Encore un go. Pourquoi pas. Ce qu'il me faudrait, c'est un cheval. Bonjour. C'est complètement con, j'y suis déjà. S'il y aurait un cheval dans les parages, ça aurait été pas mal. C'est pas grave, on va y aller à pied. On est des thugs, nous. On est pas des fiottes. Voilà, donc ici on a le camp des Indiens. Des Amérindiens, pardon. Et un peu plus loin, vous avez des trucs d'indiens comme le blé, etc. Donc, merde, il y a eu le bug. C'est chiant ce bug parce qu'en fait, tu bouffes, mais après, si tu restes sur ton steak, ça va faire bouffer l'autre derrière. Et au final, bah, tu te sens baisé parce que t'aurais utilisé deux steaks. Non, c'est trop cher. Cher, erreur. Oh, désolé mais c'est cher hein. Pour moi c'est cher hein. Donc après on va à Chicago. Donc nous revoilà donc bon bah on a fait de l'argent tout simplement. Bon c'est, je pense que c'était une courte présentation, mais si vous voulez que je fasse d'autres épisodes dessus, n'hésitez pas à me demander. On va s'arrêter là hein, les amis. Si vous voulez que je fasse d'autres épisodes dessus, n'hésitez pas à me demander, je les ferai avec plaisir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter cette vidéo et à aller checker la description si vous voulez rejoindre et que vous avez Minecraft Premium. Et ne me demandez pas si les cracks sont acceptés, parce que je vous répondrai plus à ça, hein, vous m'énervez. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, je me répète encore, n'hésitez pas à me bon allez les amis. Oh putain. Waouh. Fin de vidéo de ouf. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre nombreux serveurs, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.